Salut! Aujourd'hui, je vous pose les questions pour le concours de la semaine 2. Vous savez que toutes les semaines, cette année, je vais vous faire un concours pour gagner des choses différentes. Alors là, la semaine dernière, il y a eu un concours pour gagner une potion Fly et bravo à Sasuke qui avait gagné en ayant le plus haut spirit à son sapin. Mais cette semaine, on va faire quelque chose de différent, hein, je vous l'ai annoncé. Il fallait bien regarder les vidéos, donc celles de peut-être cette semaine, mais... Même des vidéos plus vieilles, il y a des gens qui regardent depuis un bon moment. Et je vais vous poser quelques petites questions. Alors, à gagner cette semaine-ci, c'est un véhicule légendaire. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Il y a des personnes... Ah, c'est pas ça que je voulais faire. À qui ça fait plaisir. Je voudrais vous écrire mon pseudo sur Roblox, qui est LDP-RBLX. Donc la dame patronesse... Roblox, voilà, vous le trouvez aussi hein, dans la description, comme ça vous êtes sûr de pas vous tromper, parce que vous allez devoir, je vais vous poser des questions, puis vous allez devoir y répondre dans le chat de Roblox. Alors vous pouvez aussi me répondre autrement, hein, dans la description vous avez aussi mon compte Instagram, vous avez aussi la page Facebook, je pense que vous pouvez envoyer un message, et voilà, comme ça au moins on a différents moyens de communiquer sans que vous mettiez les réponses dans les commentaires, parce que forcément si vous les mettez dans les commentaires de YouTube, tout le monde va avoir les réponses, et ben forcément ça marche beaucoup moins bien. Voilà, donc comme j'ai pas spécialement de véhicules hyper intéressants, enfin pas si j'ai des véhicules intéressants, mais comme j'ai pas, je les utilise pas beaucoup dans mes vidéos, donc je savais pas trop quelles questions vous poser, et que dans un des véhicules légendaires il y a le véhicule maison, et eh bien nous allons poser des questions sur des choses qui se passent dans mes maisons. Alors voilà, vous vous rappelez la première maison, la Tiny House, c'est celle qu'on a dès le départ. Et moi, je les adore, ces petites maisons. Elles sont très pratiques à décorer. Et on peut très facilement modifier la petite déco. Par exemple, comme je l'ai fait ici. Où j'ai mis toute ma maison en bleu pour accueillir mon Frost Dragon. Ouais. Ah, il est beau. Alors c'était pas celui-là hein, parce que j'ai craqué en trade pour un roi des abeilles. Vous savez que les rois des abeilles, moi j'adore. Et ben voilà, j'ai échangé un roi des abeilles contre mon premier Frost Dragon. Donc j'ai été obligée un petit peu d'en racheter un autre parce que j'avais quand même très envie de l'avoir. Donc je l'ai mis aux mêmes couleurs que mon dragon. Mais cette maison au départ... Elle n'était pas de cette couleur-là. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais j'aimerais que vous me disiez de quelle couleur était la cloison. Là, cette cloison-là, devant laquelle je suis, était d'une autre couleur. Donc, première question, c'est ça. Quelle était la couleur de la cloison? Voilà. Alors, pour la deuxième question, nous allons aller dans la maison de sirène que j'ai depuis... super longtemps, puisque c'était le Black Friday. Là, il y avait des sortes de soldes pour le Black Friday. Et j'avais acheté cette maison en vous disant, oh là là, est-ce que je craque ou pas, parce que c'est super grand. Et je savais que j'aurais pas beaucoup de temps pour m'en occuper, alors que j'aime bien quand même décorer les maisons. Vous voyez, elle est immense, avec ces quatre pièces là au fond, quatre pièces latérales. Bon, je suppose que vous avez tous eu l'occasion déjà de visiter une maison. Bon, je vais là, comme ça je vais aller mettre mon dragon à dormir. Parce qu'il y a juste quelques lits. Voilà, nous avons un petit peu le choix, n'est-ce pas? Les sirènes pondent des œufs, sans doute plein d'œufs. Alors, la deuxième question. Il y a quelque chose dans cette maison qui me fait triper. C'est ce que je dis dans la vidéo. Et j'aimerais que vous voir si vous vous rappelez ce que c'est. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui fait vraiment triper. Dans la maison de sirène, c'est... flagrant, hein, je sais pas comment dire, dans cette maison, c'est très très drôle. Alors c'est pas le fait qu'il y ait beaucoup de lits, hein, parce que les sirènes pondent beaucoup, sans doute, mais voilà. Après il y a donc ça c'était la deuxième question, qu'est-ce qui me fait triper, et la troisième question c'est, qu'est-ce que je compte faire dans cette pièce? Alors ça je le dis plus tard dans une vidéo qui a rien à voir, mais je parle de cette pièce, ça va être plus difficile à trouver peut-être, sauf pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, on va dire. Dans cette pièce noire, je vais faire quelque chose de particulier, on va dire sur une thématique particulière. Voilà, donc qu'est-ce que c'est? C'était la troisième question. Et pour la quatrième et les suivantes, on va aller dans la maison de Hollywood,
qui est ma maison, la maison que j'ai depuis un moment, qui est hyper grande aussi et que je n'ai pas terminé de décorer. J'ai même cloisonné la salle de spectacle en attendant d'avoir réussi à y faire quelque chose. Alors bon, dans l'entrée, je vais changer de papier peint, mais je vais sans doute laisser ce petit panneau de remerciement qui était à la base pour remercier Petit Boula, mais je remercie qui m'avait donné un bon conseil pour retrouver mon sapin, mon précieux sapin qui m'a donné tant de gingerbread. Mais c'est aussi pour vous remercier à vous les abonnés de votre soutien, de vous abonner, de me suivre, de vos commentaires, de votre gentillesse quand vous jouez avec moi sur Roblox, quand on arrive à se rejoindre, parce que c'est vrai, c'est pas toujours le cas. Voilà, donc ici j'ai mon bureau, j'ai galéré à mettre ces vitres à l'envers, mais la question ne porte pas sur ça, mais sur le petit coin qu'il y a derrière là-bas. Vous voyez, j'ai un petit coin détente avec mon café, j'ai un canapé, et puis j'ai une tablette sur laquelle j'ai posé des livres, des objets de déco. La question est en quoi, qu'est-ce que j'utilise pour fabriquer cette étagère, cette tablette? Voilà, avec quoi j'ai fait? Ce n'est pas, il n'y a pas d'étagère, hein, vous le savez, dans les fournitures, donc on est obligé de se débrouiller parfois. Voilà, donc j'ai fait avec autre chose. C'est une question qui n'est pas hyper compliquée, ni à deviner si jamais vous n'avez pas vu la vidéo. Et puis sinon, si vraiment vous n'avez aucune idée, ben, il faut aller voir la vidéo. Voilà, alors la pièce avec le papier peint fraise, je l'adore parce que j'adore ce papier peint, elle n'est pas encore faite. Et ici aussi, mais vous le savez, j'ai quand même craqué, c'est trop mignon ce papier peint, j'ai même un hochet à la sortie pour vous dire. Bref, j'adore ce papier peint, mais j'ai failli en mettre un autre, voilà, j'ai hésité à en mettre un autre. Donc c'est la question numéro, je ne sais plus combien on est, ça doit être la question numéro 5, je pense. Quel papier peint est-ce que j'ai failli mettre dans cette salle de bain, comment on appelle ça, une salle d'eau, dans les salles de spectacle, je sais plus. Voilà, vous vous rappelez, j'étais hyper fière de mes toilettes sur lesquelles on peut s'asseoir, puisque sur les toilettes normales, on ne peut pas s'asseoir. J'adore, ça me fait beaucoup rire, j'aime beaucoup cette construction, là, avec les cloisons, c'est... La première fois que j'ai vu ça dans la vidéo d'une youtubeuse, j'étais là, oh là là, mais voilà, c'est quelque chose que seuls les créateurs du jeu voilà, peuvent faire. Et en fait, en trafiquant un petit peu et en changeant la couleur, surtout, je me suis dit, mais non, en fait, on peut le faire nous-mêmes. Voilà, donc la question numéro 6, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière les deux portes totalement à gauche des toilettes? J'ai mis autre chose que des toilettes, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc il y en a qui l'ont vu en jeu, puis d'autres, c'est comme cette chambre, il y en a qui l'ont vu en jeu aussi, et puis sinon, ben, c'est dans les vidéos. Cette chambre, je sais pas, est-ce qu'elle apparaît déjà dans les vidéos? Tiens, ça va être la question, la dernière question. Est-ce que cette chambre apparaît dans les vidéos ou est-ce qu'elle n'apparaît pas? Ça va être une question bonus, on va dire, parce que même moi, j'en suis pas tout à fait sûre. Donc si vous avez la réponse à la question, eh bien vous me... Si jamais elle apparaît dans les vidéos, bien vous pouvez m'en apporter la preuve, ça peut vous départager. Voilà, il va falloir que je m'attelle à changer ces papiers peints, c'est plus possible, c'est plus Noël, madame. Voilà, j'espère que vous avez bien... pas bien écouté les questions, parce que de toute façon, elles vont être dans la description, avec... Donc, je vous le rappelle, mon nom d'utilisateur de Roblox, vous mettez en commentaire votre nom d'utilisateur et vous allez sur Roblox et vous me demandez un ami et moi je valide votre demande d'amitié et comme ça on peut se parler et dans le chat et vous pouvez me donner vos réponses. Vous avez jusqu'à mercredi soir, alors la date ne me demandez pas, hein, vous savez c'est le mercredi de cette semaine-ci, la deuxième semaine de janvier. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, dans la description, il y a tout plein de choses. Je crois que personne lit. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça. En plus, c'est hyper long, j'avoue. Je fais une description qui est super longue. Voilà, je vous remercie en tout cas de me suivre. On est bientôt à 100 abonnés. Non, mais vous vous rendez compte, moi, jamais j'aurais cru qu'on serait bientôt à 100 abonnés. Ça me fait complètement halluciner. Je fais juste mes petites vidéos dans mon coin avec mon petit matériel de rien du tout. Et on se retrouve avec, je me retrouve avec tout plein de chouchous. Et ça, j'adore avoir des chouchous. C'est trop chouette. Donc, je vous remercie. J'espère que le petit concours vous plaît. Donc, fin des réponses, hein, avant mercredi. Voire le plus tôt possible, si jamais vous les connaissez. Vous me demandez un ami sur Roblox pour pouvoir répondre
ou sur Instagram ou sur la messagerie Facebook. Et moi, je vous dis à bientôt.